Nous ne participerons plus au projet du 4x4 tant que les problèmes que vous connaissez tous ne sont pas résolus. La tension entre les meilleurs athlètes belges et la Ligue belge francophone d'athlétisme atteint donc aujourd'hui un sommet. Nous avons longuement réfléchi, nous avons pesé les pour et les contre de notre décision. Nous sommes arrivés à ce point que nous sommes prêts à en assumer toutes les conséquences et même de continuer à travailler, mais sans l'encadrement de la LBFA et sans rémunération et sans subsides. En cause, le rôle de leur entraîneur et père, dont certains auraient voulu limiter l'influence. Après 2 ans de conflit, c'est l'affrontement. Si mon papa accepte les clauses, etc., il ne peut même plus entraîner Olivia. Il faut arrêter, je veux dire. Et on est, je pense, dans un pays libre. Si une personne extérieure qui voit que ça fonctionne et qui pense que pouvoir s'entraîner avec quelqu'un dans un groupe d'entraînement en général peut lui être propice et peut le faire évoluer, où on peut aller lui interdire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, nous, on dit stop, arrêtez. Les Borlais, c'est un titre de champion d'Europe en 2012 et une 5e place pour le relais au JO de Londres. En attendant l'apaisement, les jumeaux prendront dans les jours à venir la direction des États-Unis afin de préparer sereinement la saison à venir.